Salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 2. Et on va aller là parce qu'apparemment ça fout, c'est le gros bordel. Donc on va aller là, on va atterrir à la forteresse oubliée puis on va voir ce qui se passe. Encore eux? On dirait qu'il y a plus de sang-cœur qu'avant. Allons demander aux autres. Ils sont sûrement chez Merlin. Eh ben allons chez Merlin. Bon, en tout cas, j'espère que vous tous vous allez bien. Je crois qu'on est à l'épisode 21 de Kingdom Hearts 2. Ça passe tellement vite. Et franchement, je m'en aperçois pas qu'on a autant d'épisodes, quoi. Tellement qu'on s'amuse sur ce jeu. Écoutez, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se tramouille. Chez Merlin, si je me trompe pas, c'est par là. Hein. Ah, il y a le Mog. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Non, ça c'est pour synthétiser. Je sais pas s'il va y avoir de nouveaux équipements. Ah, il y a Cloud. Regardez. Je l'aurai. Cela ne fait aucun doute. Lui, l'être qui est né des ténèbres qui sont en moi. Ah, c'est bien pour ça que tu as changé, Cloud. Possible. C'est à cause de lui. Qui? Sephiroth. Prévenez-moi si vous le voyez. D'accord. À quoi il ressemble? De longs cheveux gris et une épée effilée. Compris. Bon, à la prochaine, Cloud. Soyez prudent. Il s'insinue dans votre esprit et vous fait croire que les ténèbres sont la seule solution. Il y a un problème? Ce n'est rien. Ça ne te concerne pas. C'est plutôt que tu ne veux pas que je sois là quand tu t'en vas. Je veux juste... Écoute. Même si je pars très loin, je reviendrai. C'est vrai? Oui. Tu n'en as pas l'air certain. Mais... Ne t'inquiète pas. Je comprends. Vas-y. Pars régler ton problème. Hein? Peu importe la distance. Lorsque tu auras trouvé ta lumière, je suis sûre qu'elle te ramènera ici. Pas vrai? J'imagine. Alors je resterai ici. Et je penserai à toi. D'accord, Cloud? Ok. J'espère qu'il réussira. J'en suis sûre. La lumière est en lui, quelque part. Tu as raison. Ah, sacré Cloud. J'avais pas un truc où je pouvais sauter plus haut. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont à... non. J'ai quasiment plus de thunes non plus. Alors, à mon avis, il faut qu'on passe par là. Je savais bien qu'on allait être emmerdé. Par des sans-cœurs, comme d'habitude. Ah. Tac, ça c'est fait. Bon, c'est vrai que c'est pas des gros, des grosses bestiasses, quoi, mais bon. On va pouvoir récupérer la thune. La thunasse. Attends, c'est pas là où il y a avoir la grosse scène? Parce qu'il y a, je sais qu'il y a une scène dans le jeu. Il y a une scène dans le jeu. Attendez, je baisse un peu le son parce que je m'entends pas. Il y a une scène dans le jeu où t'as un gros combat de sans cœur. Ils affrontent mais je sais pas combien de sans-cœurs. Et c'est tellement, elle est tellement épique cette scène. Elle est, mais franchement, mais vraiment, vraiment, vraiment épique quoi. Enfin, je... Et je, peut-être que c'est là, c'est peut-être que là qu'on on se dirige. Salut
les gars, vous tombez à pic. Il y a de bonnes nouvelles. Allez, rejoins Léon. Quel genre de nouvelles? On a trouvé l'ordinateur d'Ansem. Génial. Oui, on devrait pouvoir en tirer pas mal d'infos sur le Sanctuaire et l'organisation. Et peut-être même sur le domaine des ténèbres. Apparemment, c'est là-bas que sont Riku et Kairi. Le roi aussi. Alors, allez voir par vous-même. Ça peut pas faire de mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, la salle informatique est accessible par l'arrière du château. Soyez prudent. C'est peut-être là où il va y avoir la fameuse scène. Je crois qu'il y a une scène dans le jeu. C'est vraiment impressionnant. Il y a des milliers et milliers de Sanctuaires et Sora est obligé de les affronter, quoi. Donc ça peut être assez intéressant. Bah écoutez, on va continuer. Voilà, alors, comme je disais, c'est quand même assez hallucinant de voir qu'on est à autant d'épisodes que ça, quoi. Attention, lui, il va être chiant à battre. C'est vrai que ouais, on a quand même plus de 20 épisodes, quoi. C'est hallucinant, quoi. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais je... Où je calcule si je dois pas avoir normalement le... Je devrais avoir le double saut, je crois. Excusez-moi, vous faites partie du comité de restauration? Vous savez où sont Léon et sa bande? Ils ont des choses à faire derrière le château. C'est eux! Hein? Allons lui dire. À qui? À notre chef, bien sûr. Tu sais, Malais... Faites pas attention. Je vous assure que nous sommes vos amis. N'importe quoi. Un problème? D'accord, vas-y. Fais-leur un discours. Nous sommes désolés. Mon petit chat, non, tu te mets pas devant l'écran, on va pas y tourner un épisode. Mais je te fais un câlin, ma fille. C'est Yuna, comment elle s'appelle? C'est les personnages de Final Fantasy X, ça? Enfin, Final Fantasy X, même. Pourquoi j'ai 12, moi, je suis pas. Ah, c'est Final Fantasy X, ouais. D'ailleurs, Final Fantasy X, il faut que j'essaie de vous le faire, ce jeu-là, ça serait pas mal. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et donc, apparemment, elles sont avec Maléfique, elles? Donc, elles sont méchantes? Putain, elles ont pas l'air vraiment, mais bon, bref. Elles ont pas l'air d'être si méchantes que ça, mais bon, bref. Pourquoi pas, hein. Contre, on les ratatine, c'est un truc de malade. En même temps, il y a le truc là de protection, là, je crois. Hein. Lui, par contre... Oula, lui, c'est un gros, lui. Lui, c'est un gros, lui. Ouais, Final Fantasy X, j'essaierai de vous avoir la version HD, je vais essayer de vous faire celui-là aussi. Dernière chance, ok, donc je suis au niveau 25. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on avance, on est sur le chantier, ok. En vrai, je peux vous faire des RPG, hein, ça peut être vachement intéressant. Il y a aussi... Il y a aussi Persona 4 Golden qu'il faut que je vous fasse. Mais qu'on refasse vraiment. Ouais, sincèrement, pas qu'on dise on continue puis on s'arrête, quoi. C'est bon, lui est mort. Faut vraiment que je vous refasse Persona 4 Golden, quoi. Et il faut que je me prenne le reload aussi. Faut que je me prenne le reload. Ah, les Persona, faut que je vous les fasse. Il n'y a pas de chest qui traîne par là? Ah. Attention. Je pense qu'il peut faire mal cela. Oh, le manuel de sort est tellement plus simple dans cette version là. Enfin, il est tellement plus simple à, plus agréable à faire. Mais c'est pareil, j'ai bien envie de vous refaire KH1 avec, avec les voix françaises. Vous savez, une sorte de remaster, ça pourrait être intéressant. Faut qu'on voie ça. Là, je pense que je suis pas... Ouais, je suis bien au bon endroit.
Léon? Par ici! Alors, vous avez trouvé l'ordinateur d'Anseb? Oui, apparemment, il intéresse beaucoup le roi. Le roi? Il est avec Léon. On va retrouver le roi! Hurrah! Eriko aussi est avec eux? Je pourrais toujours demander au roi s'il sait quelque chose. Et puis l'ordinateur pourra peut-être nous renseigner. Très juste. Pour les rejoindre, c'est par là. Ok, mais non, mais avant, je vois qu'il y a des coffres et je vais les récupérer. Tac, gène de mithril, ok. Et là, il y a le gros coffre. Ah, c'est quoi ça? Seconde nuit d'alimenter, j'ai dit c'est l'énergie en ville, ok. D'accord. Et on va récupérer certainement la carte du lieu. Et on va sauvegarder. Enfin, voilà. On va sauvegarder. Ça, on est niveau 25. À mon avis, sur l'autre épisode, je pense qu'on n'était pas assez haut niveau. Hein. On n'était pas assez haut niveau, je pense, dans l'autre épisode pour aller dans les autres endroits. Hein. Bon, c'est pas grave, ça. Ah, un coffre. Je l'ai fait de celui-là. Bonus PC, ok. Ah mais c'était Stitch! De Lilo et Stitch d'ailleurs. Ok, Donald qui monte au niveau. Niveau 26, t'en viens là toi. Que je m'occupe de toi. Et c'est bon, là je vois qu'il y a un coffre, on va le récupérer. Putain, ça a l'air d'être un labyrinthe là, non? Ça a l'air d'être un putain de labyrinthe. On va voir si je trouve des chests et tout le bordel, je vais essayer de d'en récupérer un maximum. Ouais, peut-être un petit remaster du premier, ça pourrait être marrant. Ouais, sachant que, en vrai, le premier, j'aimerais trop voir des gens comme Brice ou AJ y jouer. Faire le premier, ça serait tellement énorme de les voir jouer à ce jeu. Ce serait tellement génial. Bonus PC. Putain, mais en fait, il faudrait que j'essaie d'avoir double saut, en fait. Bon là, à mon avis, il y a des ennemis qui vont apparaître. C'est bien ce que je pensais. Voilà. En tout cas, enfin, merci aux mecs qui ont ajouté ce mod et qui ont permis d'avoir justement cette, la VF pour cash. Hein. De pouvoir mettre cette VF. Hein. Elle est tellement de bonne qualité, cette VF. Allez, Donna qui augmente, qui level up. Parce que cette VF est tellement de bonne qualité, quoi. Enfin, c'est merci, quoi. Je sais qu'il y a certains qui m'ont dit, ouais, mais les voix, quoi. Enfin, nous, les sous-titres, ça correspond pas. Après, j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça, hein, je veux dire. Ça dérange pas, hein. Il est mort? Bah, il est mort. Attends, parce que là, il y a un chest que je vais récupérer. Et mais je pense que ça dérange pas parce qu'on comprend à peu près tous les trucs quoi. Faut que je regarde, hein, j'avais une nouvelle Keyblade normalement. J'ai le dragon, j'ai le monochrome, tendre promesse. Tendre promesse pourrait être pas mal à mettre à place de dragon. Et ensuite, gouvernail. Ouais, ici avec tendre promesse, ça pourrait être pas mal. Mais ouais, non, c'est vrai que. Bah, après, voilà, on comprend assez bien les. On le comprend assez bien, donc je pense que ça gêne pas plus que ça, même si des fois les sous-titres, vraiment, il n'y a pas de tout, quoi. Allez, c'est parti. On s'aime. Oh, à mon avis,
C'est sa chambre. Ouais, je vois. Eh oh! Hé, hey, vous! Je cherche quelqu'un. Avez-vous vu un gars avec des cheveux en pétard? Pire que ça. Je vais regarder au cas où. Excusez-moi. Aucun problème! Alors, vous avez réussi. Léon! Ah, y'a quand même pas mal le personnage de FF7, hein? Enfin, y'a un chest là. Formule de compétences, ok, ça c'est quoi ça? C'est des notes à propos des cœurs de ce monde. Sur les ténèbres, ça c'est le portrait d'Anselm. Des notes sur le cœur humain. Bon, il faudra essayer de parler à Léon. Le roi n'est pas avec toi? Vous le verrez bientôt. J'ai hâte! Il y a de quoi vous faire patienter ici. C'est la salle informatique d'Anselm. Et ben, vous voyez, il n'y avait pas de point de sauvegarde là? Non, je crois pas. Bon, bref, c'est pas grave. Tu dis quoi de plus? Les ordinateurs sont fragiles, alors ne les manipulez pas n'importe comment. Pas de problème, Mike. Pas de problème, man! Alors, c'est ça? Où est Kairi? Où est Riku? Doucement, tu vas le casser. Excuse-moi, mais c'est que j'aimerais tellement les revoir. Oh, waouh! Hein? Wouah! Hey! Flash de temps! Oh, oh! Utilisateur, attention. Ceci est un avertissement. Tout autre usage abusif du terminal entraînera une réaction défensive. Qui parle? Je suis le maître contrôle principal. Je supervise ce système. Où es-tu? Donald! Seuil de tolérance dépassé. Vous êtes en état d'arrestation. Arrestation? Vite! Ça va ? Hé, les gars, vous laissez pas faire ! Qui es-tu ? Je suis le commandant Sark. Un commandant de sans cœur ? Regarde bien. Ok, j'ai compris. Laisse-les.
Mais enfin, c'est quoi ce monde à votre avis? Vous êtes dans l'unité centrale de l'ordinateur. L'unité centrale? Oui, le cœur de l'ordinateur, servant à gérer des données. Ceci est une copie d'un système créé par une entreprise appelée Encom. Le programme d'origine a été détruit. Mais cette copie a été récupérée par un utilisateur. Celui-ci a mis à jour et personnalisé tout le programme et l'a rebaptisé OS Forteresse Oubliée. Il s'est servi de ce système pour gérer la ville et poursuivre ses recherches. Je m'appelle Tron. Je suis le programme de sécurité. Et je suis en état d'arrestation, tout comme vous. L'un de vous a compris quelque chose? Eh bien, si on commençait par se présenter, hein? Je suis Sora. Ravi de te connaître, Tron. Moi, c'est Dingo. Vu vos configurations, vous êtes des utilisateurs. Utilisateurs? Vous feriez mieux de quitter cet endroit. Sinon, qui sait ce que le MCP vous fera? Le MCP? Le maître contrôle principal. C'est lui qui contrôle le système. Et si vous restez immobile, il risque de vous supprimer. Supprimer? Mais comment on sort d'ici? Ce terminal devrait vous renvoyer dans le monde des utilisateurs. Mais le MCP a coupé l'alimentation il y a 50 microcycles. Oh. En plaçant le cœur énergétique dans le canyon virtuel, on pourrait le réactiver. Le problème, c'est que nous sommes prisonniers ici. Nous ne pourrons aller nulle part si nous ne désactivons pas le champ de force. Bah, c'est le monde de Tron! Ce qui est plutôt sympathique. Chaîne d'Aegis, Aquamarine, Chevalier Platine, ok. Ça pourrait être pas mal. Donc Tron, hein, pour expliquer à certains, c'est un film, je crois, qui est sorti... Enfin, qui était assez révolutionnaire à l'époque. Qui est sorti, je crois que c'est une personne qui rentre dans un monde de... dans un jeu vidéo PC, un truc du genre, je crois. Et qui est vraiment, vraiment pas mal. Mais écoutez, on va se laisser là pour cet épisode 21 de Kingdom Hearts de Funnel Mix. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était Kitaro et je vous dis à une prochaine fois tout le monde. Ciao, bye bye.